Là, j'ai vraiment en tête un combo qui est, à mon sens, l'un des meilleurs. Parce que je rappelle, quoi donc, d'après mon point de vue sur Dead by Daylight, ce qui donne vraiment du pouvoir sur le jeu, c'est la notion d'information. Après, le fait qu'on décide ou pas d'une action, c'est autre chose, ça dépend de chacun. Mais connaître une action, c'est pour moi ce qui apporte le plus de force, avoir les informations. C'est plus qu'un ninja, c'est une sentinelle, c'est plus que tout. Voilà, on voit exactement où est le tueur, on sait ce qu'il fait, on peut nous tranquillement faire nos actions. Moi, je peux m'en aller pour continuer à les réparer. Je sais exactement qui se trouve où. Je sais où est-ce qu'il va pouvoir venir. Je sais ce qu'il fait, ce qu'il casse, ce qu'il se déplace. J'ai donc la perque, donc débrouillard, qui est la compétence de Vittorio, qui fait que à chaque fois que le tueur, que je fais une action excellente, eh bien, je sais où se trouve le tueur pendant 6 secondes. Je sais aussi où se trouve le tueur à chaque fois qu'il casse quelque chose. En l'occurrence, là, il a cassé un survivant. C'est qui est où. Il va quand même à y aller, parce qu'apparemment, on ne fait absolument rien. Peut-être sacrifier ma vie pour cela. On verra bien, on verra bien. Ok, dans la cave. Quel immense plaisir. J'utilise ma trousse de soins pour l'aider à se relever rapidement. Voilà. Je vais m'en aller. Il va casser probablement le moteur qui est là. Ça me donne une information sur où est-ce qu'il se trouve, quoi, comment. L'idée, c'est vraiment de savoir comment progresser dans tout ce fratras. Donc, bon, là, je le vois. Hein. Assez basiquement, je vais avancer. J'aurais bien aimé avoir parenté, mais l'objectif... Oh, non. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des éléments de détection. Un maximum. Bon, il va se faire aider normalement. Ok. On va pouvoir. Voilà. Et où est-ce qu'il se trouve grâce à mon test? Excellent. Je vais le laisser tranquillement progresser pendant que moi je vais aller par là pour récupérer l'autre. Et c'est pour moi. L'une des plus grandes forces que je peux avoir dans le jeu, c'est-à-dire bénéficier d'informations. Il s'en va sur les autres. Ok, je vais essayer de le soigner. Je ne sais pas. Je ne sais plus si. Voilà, je vois. Il casse le moteur que je suis en train de réparer. Tranquillement, et je sais qu'il est là-bas. Ce qui est quand même assez dingue. Pour moi, c'est vraiment. Vigilant et débrouillard, pour moi, sont deux perks qui donnent la puissance ultime. L'information. Je sais qu'il est là. Avec évidemment, Lien. Lien qui est hyper chouettos. On lui fuit. Je sais pas s'il reste là. Apparemment, il reste là à dessein. On va faire attention. Il est là, hein. Impression. Si je fais un test, voilà. Ouais, il casse la palette lors de la suite, la poursuite, et c'est pour moi vraiment du cadeau, quoi. Les informations, c'est de l'or, c'est de l'or. C'est ce qu'il y a au-dessus de tout le reste, tout ce qui peut donner de l'information. C'est aussi pour ça, hein, c'est-à-dire que pour Myers, par exemple, l'un des éléments clés qui lui permet d'avancer, c'est typiquement le miroir rayé. C'est-à-dire que quand il stalk, il se met à travers les murs, il peut voir à travers les murs. Donc c'est pas pour rien, quoi. J'invente pas ça. Et pour autant... Pas attention, hein. Pas rester là, hein. Alors, très peu. Attention à rester dans le coin.
demande qu'est-ce que ça doit être. C'est vraiment les yeux Superman, voir à travers la... les murs. Oh. Ok. J'imagine quelqu'un comme moi face à 1500 points. Non, il veut pas. Ok, très bien. Quelqu'un comme moi face à quelqu'un. Face à moi, quelqu'un qui sait tout le temps. Qui est où? Elle a ramassé. Elle aurait tout intéressé. Elle a ramassé, mais. Oh, c'est compliqué là. Là, je sais où est-ce qu'il est. J'ai réussi à échapper à tout en réparant des moteurs. Mais c'est pas le cas. Il faut bien des victimes. Il faudrait que... Là, ce qu'il fait... Oh. J'espère que... L'autre fait quelque chose. Un mec qui soigne. Il y en a un qui est en P1, donc ça devrait aller. Oh. C'est nul. Ah, bon, je sais où est-ce qu'il est. J'aurais pu faire un test excellent pour avoir une information supplémentaire. Bah, là, c'est le cas. Bon, il va falloir que l'autre y aille. Hein. Bon, je vais y aller. Je vais réparer le moteur, donc moi je vais aller. Non. La P3 pour le pauvre bisule. J'espère que je vais pas pouvoir y aller avant là. C'est trop tard. Passer en P2, c'est dommage. Passer à côté, je suis vraiment navré. Pour le survivant. Désolé, j'adore ta robe. Bon. J'irai pas jusqu'à dire que j'aimerais bien la porter. Parce que bon, en attendant, est-ce que ça marche avec... Non. Ça marche pour la réparation, mais pas pour les soins. Voilà. De rien. Est-ce qu'il vient vers là? Ouais, c'est là-bas. Hein. Bon, il fait son moteur, là. Le moteur, il fait son totem. Mais ça va pas suffire pour moi. À moins que Michaela, d'un seul coup, se mette à réussir sa chase. 10 millénaires. Voilà. Elle vient même pas ici. Il a fallu qu'on fasse quelque chose. Michaela va pas tenir. Ah, j'ai vraiment tellement d'informations. Rapprocher. On va pas pouvoir le finir. Il va peut-être le poser sur un crochet fagateur. Oh, il va sur l'autre. Qui est en P3. On va lui partir. Une filiale anglaise. Oh. Bien voilà. On va d'abord chi barbecue. Ouais. Sens, en espérant que la trappe apparaisse ici. C'est pas, hein. Il peut se produire. Il est... Oh, il
vais l'avoir, hein, vu. Je pense qu'il est au centre. Ou en face. Ok. Oh, il l'a trouvé. C'est tellement triste. Nouvelle partie avec l'un de mes buts absolument préférés de tous les temps. La détection. Détection. Entre. Vigilant. Voilà, très bien. Parfait ça. Alors, est-ce que la cape d'invisibilité du tueur, pour la détourner avec vigilant. Oh, fascination, très bien, super. Ok, non, je sais pas où est-ce qu'il est là. Peut-être vu là, brièvement, mais. Une idée. Bon, il doit avoir. Oh, il a que des paires qui ça. J'ai l'impression qu'il est spécialisé dans tout ce qui touche la compétence à découvert. Donc là, j'ai vraiment. Ah, il est là, ok, très bien. Il a cassé un objet. Une palette, sûrement. Donc, vigilant. Me donne une indication. Mais débrouillard. Non. Oh. Non, pas du tout. Oh là. J'ai pas de place pour ça que je faisais. Ok. Très bien. Alors ça, c'est intéressant parce que les perks réagissent pas de la même manière sur sur le spectre. Parce que typiquement, le spectre, il est invisible. Et en étant invisible, typiquement, ça surclasse ma perk à moi. Donc c'est bon de le savoir. Vraiment bon de le savoir, parce que ouais, il devient beaucoup plus puissant, en fait. Il invalide littéralement mes compétences. Là, il n'est plus invisible. Je sais ce qu'il va faire. Voilà, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il va venir sur moi? Non. Il se soigne. Il va laisser de s'attaquer à la personne qui l'a déjà posé sur un crochet. Hmm. On pourrait venir ici en m'entendant réparer. Hein. Ça va pas gagner du temps. Si c'est moi qui le soigne plutôt que si c'est lui qui se soigne. Je sais qu'elle est là. Donc, ma compétence de détection, de lien. Je sais où est-ce qu'il fuit. Là, il va le ramasser. Donc, je vais être sous. Ah non, je suis pile en dehors de la perque. Est-ce qu'il va venir ici? Ouais. De la perque de fascination. Il y a des chances à ce qu'il vienne là. Je le vois pas péter quoi que ce soit. Pareil. Où est-ce qu'il est là? Faut que je fasse le tour. Pour lui venir en aide. Kate. Faudrait qu'on soit à deux. Oh, ok. Il va revenir ici direct.
qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais. Il y a vraiment des perks spécialisés dans tout ce qui est à découvert. Donc il va focus sur elle. Elle est là. Et là, je vais m'en aller. Il est vraiment spécialisé en tout ce qui touche ça. Il doit avoir chili barbecue. Il peut pas... Il peut pas ne pas avoir chili barbecue. Ça serait logique. Je reste ici le temps qu'il avance. Son build est pas mal, hein, au tueur. Il est concentré sur le... La question du à découvert. On a elle qui est ici, qui devrait rester ici. Il va s'éloigner pour bénéficier. Maximum. Oh, ok. C'est ça. L'autre ne se soigne pas jusqu'au bout, le petit Félix. Pour justement ne pas souffrir de statut à découvert, vu qu'il est déjà blessé. Il a tout intérêt à s'attaquer à elle qui est en P3. Et Félix va juste peut-être se micro-soigner le temps que si tu as découvert ce dégage, parce que peut-être qu'il garde sa compétence de dard. On est juste ici, c'est que ça passe bien. Et ma compétence de détection, elle ne marche pas. Là, il est réapparu. On va finir les deux moteurs à peu près au même moment. Espérons qu'il ait adrénaline, ça serait vraiment un bon twist pour ce bon vieux Félix. Après, pas étonnant que... Wow ! Comment est-ce qu'il a fait ça ? J'essaie de comprendre. Il doit avoir des add-ons, sûrement. Oh, des add-ons. Pour bénéficier du statut à découvert au moment où il sort. Bon, lui est là, les deux sont là. C'est pas intéressant, hein. Tout est fait pour que je puisse être sauvé, là. Parti là-bas. Non! Ok. Évidemment. Le petit... Noed. C'est ça, c'est ça. Félix, c'est pas vraiment le profil à abandonner. Il va à la cave, là, non? Non, même pas, ok. En deux groupes de 1. Il y en a un qui est P3. Il va revenir ici. La théorie... suivante, hein, de toute façon, regardez, soit par le navire, soit ici. Voilà. Allez, go! Ok, est-ce qu'on a le temps? On se réunit tous ici. Allez. Eh bien. Oh, c'est incroyable. Abonne-toi, bien sûr. Quelle nouvelle tentative d'approche. Sur la réparation, sur la détection du tueur. Évidemment, je suis en plein milieu. De partout. Donc, je sais qu'il est là. Très, très bien. En chase. Je vais le garder à l'œil. Venir par là. Direction d'attention, de manière totalement pas calculée. Mais qui est où, hein? Par le moteur au milieu pour éviter de se retrouver avec un trigène de cette nature. Ça, c'est nulos, ça. Ok, ok. Son moteur là-bas. Oh, j'ai mon burst. Je l'emmène loin. Donc je sais ce qu'il casse, où est-ce qu'il casse, où est-ce qu'il va. Normalement, il vient vers moi. Il va abandonner.
Pour retourner par là-bas. Quoi faire ce moteur? Il a donné un hit. Est-ce qu'il a fait ça avec... avec le tour est joué. Je ne crois pas. Jouer qui était nerf, hein. Donc on va être prudent. C'est un tueur globalement M1. Alors on sait qu'on l'a vu partir par là-bas. Il augmente de pouvoir. Voilà. On sait ce qu'il fait, il vient de péter. Et ça compte, là c'est intéressant de voir, hein, parce que... Ça compte quand même que pour un, lorsqu'il donne un coup de fouet. Et non pas un main, donc coup de latte sur une palette, ça compte comme une destruction d'objet. Hein. Et donc ça me donne, grâce à Vigilant, de la compétence. Voilà, je sais qu'il est loin, je sais que je suis tranquille. Oh! Avantage des grids là. La théorie voudrait qu'ils viennent vers moi. C'est le cas. Que je puisse sauter par-dessus là. Hoppa! Non! Bien vu, bien vu. Pas vu derrière moi, hein. Attention. Donc là, je vais continuer, mais. Oh! Bon, je fais gagner du temps, mais c'est... Il va me M1 Normalement, ils vont finir un moteur. Pile temps. Intéressant. Oh. C'est bien ça. On est bien pour l'instant, on est bien. Très bien. Soin, des buffs, tu ne pourrais pas rester là-bas. Hein. Je sais que l'autre est là. C'est lui qui en chase. Oh, très joli saut. T'es soin? Merci. Je saurai maintenant ce qui se passe. Voilà, dans la chase. Oh. Je tue mon soin. Hein. Je sais qu'il est là. Je sais que le zombie Gisèle est là. Ouais. Non! Oh. Qu'est-ce qu'elle se déplace vite? Elle est savonnette sous les pâtons, mais c'est pas possible. Ok. Ah. Ah, c'est pas trop, hein. C'est pas comme ça qu'on s'injecte un vaccin. Ça suffit une pandémie mondiale, là, pour savoir? Ça me choque, là, cette histoire. Elle est là. L'autre est là. Faut casser les moteurs. La configuration. Avec des moteurs au milieu. Faut plus que ça. Faut que les moteurs soient les plus éloignés les uns des autres. Voilà, par exemple, on a deux moteurs là, côte à côte. Avec lien, je vais détecter la présence du survivant ici sur le moteur. Donc on va le finir. Je vais valider la réparation. Et bien, c'est validé. Ok. Montrez ce que vous savez faire. Bonus de détection. Là, et il est là-bas. Je sais où je peux réparer tranquille. L'esprit sauf. Est-ce qu'il va revenir vers moi? Ou est-ce que... S'il revient, c'est parce que peut-être... Ouais, il y a une course-poursuite. C'est ça. Quelqu'un va lui venir en aide.
Oh. Et laisser hein, tranquillement. L'autre s'éloigner. Oh. Et un zombie gel. Oh, adrénaline. Jojo joli. Très bien. Voilà. Voilà, coup de boost. Chacun son tour. Oula, non. Oh non, j'étais coffre bloc. Juste fort, hein. On va lui dire de venir. Qu'est-ce qu'il... À quoi il joue? Il va finir sur la... Voilà. Bien. Ah, il va falloir le protéger maintenant. Eh bien, très bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, viewers. Abonne-toi si tu veux voir plus de taches bleues sur les gens. Nouveau test de l'une des combinaisons de Dead by Daylight les plus puissantes au monde. Ouais, mais essaye de pas aller trop vite. Il va là. Hein. Oh. Oh. Oh, ça me snob. Sam Snob. Le ghost quand même qui pop là ici, c'est quand même délicieux. Alors, je vais essayer d'attirer quand même un peu son attention pour distraire. Le temps du hit. Oh, c'est délicieux. J'ai probablement les meilleurs perks pour contrer Ghostface. Ça m'en fait pas un moins bon joueur. Mais ça me donne un maximum d'avantages. Ouais, je sais exactement où est-ce qu'il est. Avec lui, je saurais qui est où. Je vais lui dire de venir, Abby. Pour qu'on reste ensemble. Allez, Fang. On fait les moteurs au milieu. Alors celui-là, par exemple. On casse la map en deux. On peut le faire qu'en faisant ça vite. Il y a le dédard, hein, apparemment. Je sais qui est où. Je sais absolument où il est. Je n'ai rien à craindre. Ce sentiment d'impunité mêlé d'insolence, mêlé de naïveté. Tellement délicieux. Et là, je sais qu'il fait quoi, qu'il monte, qu'il casse. Qu'il est là. Qu'il est juste là. Et qui n'a ramassé, soulevé personne. Bon, maintenant, apparemment, oui. On va savoir maintenant s'il a un crochet flégateur. Déjà, ramasser quelqu'un qui est en bas, c'est déjà plus compliqué. Il casse la palette. Hmm. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Quel dommage. Les autres boss. Les autres. Enfin, quand je dis les autres. Surtout moi. C'est-à-dire. Qu'on a un moteur peut-être One Place. One Piece, One Place, un place, une. Un, une. Hmm. Est-ce qu'on dit une moteur ou est-ce qu'on dit une moteur A? C'est... Oula. Moi, de savoir où je suis. Toutes les traces obscures que j'ai laissées. Les éraflures. Il n'y a qu'une seule entrée. Pour ici. Apparemment, il y a une danseuse de notre côté. Oh, il fait scamp. C'est bien le genre de
de tueur à, du coup, à être salé au point de... de face camper. C'est ça? Ok! Et ouais, mon gars! Quelle horreur! Quelle horreur, ce gars! Bah ouais! Il est pas content, il est pas content! Fait ce qu'il peut avec le skill qu'il tient. C'est pas toujours évident. Ce qu'on a à faire, surtout nous, de côté, c'est de... Ouais, de le ramener, hein. Bah oui. Quelle drôlerie. Tu peux revenir par là. Bah oui, il va revenir par là, évidemment. Et il me fait scamper. Oh. Ouais, pu. Bon, finissez le moteur. Un moteur là-haut. Peut-être donner ma vie. Ah oui, je t'ai découvert, mon gars. Ah oui. Ah, mais j'en ai un qui utilise sa perque pour que... Super. Pour que... C'est une nouvelle perque. Hein. Qui fait que pendant 30 secondes, je descends pas. Pas mal, ça. Oh, oh. Allez. Mon gars. Humiliation. Ah, en même temps, c'est la seule manière de jouer pour lui, hein. Il a eu 3 crochets. Premier, bon, il accorde le beau jeu. Mais il a réussi à avoir les deux autres uniquement en face camp. Pas en camp, en face camp. Quelle dinguerie, c'est sûr. On essaie de voir. Donc, je sais où est-ce qu'il est. Quelle folie! Allez! Quelle folie. Je sais où est-ce qu'il est exactement. Bon, il y en a un qui répare, il y en a un qui répare. Pendant que... On fait tout pour... Pour lui venir en aide. Bon, il est là-bas. Le pauvre petit bouchon. Elien m'a aidé, Elien m'a aidé. Elien m'a aidé, ce qui est pas mal. Réparation de moteur, là. Bon, je sais plus trop ce qu'il faut réparer les moteurs. Ici, apparemment, oh, je suis en sécurité. Ah, ça sent peut-être le petit Noël. Hein. Ça sera de toute beauté. Mmh.
Ok. Là, très honnêtement, à 4, ouais, on peut. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, la cave. Ouais, non, mais si c'est le genre de joueur qui reste sur le chemin, sur le palier du... Ça a l'air d'être... What? Allez. Allez. C'est le moment. Mon gars! Oh! À ta place, je sais pas, je ferai un autre truc que dans ma vie. Genre, je ferai des patates! Abonne-toi!